Roger Moore in Gstaad. 10 vor 10 zeigte er 1990 seine Wahlheimat. We have the Hornegli. And then we're looking down the valley of Schoenried. And I'm standing on top of the Relly. And people say, you know, why Gstaad? Why come and live here? Well, you've just looked at it. It's the most, I think, most beautiful place in the mountains. I love it. Understatement très britannique avait fait merveille dans James Bond et dans Amicalement Vôtre. Fanny Moy, Anne-Cathia Marchand. My name's Bond, James Bond. Agent double, voire triple, Roger Moore a incarné plusieurs personnages mythiques, mais reste dans l'imaginaire collectif le parfait gentleman anglais. Dans les années 60, il est... Feu le célèbre Simon Templar, le saint. Une série qui porte bien mal son nom, vu son appétit pour les plaisirs défendus. Bonsoir, Templar. Roger, parlez-vous français? Malheureusement, je ne parle pas bien. Grand Montana au bord du lac de la Moubra avec Roger, puisque c'est comme ça que vous nous avez autorisé à vous appeler. When was the Quand êtes-vous venu en Suisse pour la première fois? Pas forcément à Cran, mais simplement dans ce pays. La première fois que je suis venu en Suisse, c'était 65, 66. J'étais à Genève. Et à cette époque-là, vous jouiez le saint. Simon Templar. Simon Templar. C'était une belle époque. Oh, mais toute ma vie a été magnifique. Et quand avez-vous décidé de vous y installer? En 1978, mes enfants sont venus passer les vacances de Noël avec David Niven et Kurt Jürgens. Nous sommes allés à Gstaad et à Châteaudet, et les enfants y ont appris à skier. Et très vite, ils m'ont dit qu'ils aimeraient suivre l'école ici, cours le matin et ski l'après-midi. Et comme je suis un père très faible, j'ai dit oui. En fait, je cherchais aussi une excuse pour quitter l'Angleterre et m'établir dans un bel endroit comme la Suisse. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et cette fois, c'était la grande période des James Bond. Gearbeitet wurde auch bei schlechtem Wetter, denn Zeit ist Geld, viel Geld sogar angesichts dieses Aufwandes. So wurden im Tal bei schlechter Wind nicht ein einziges Mal. Sein Platz nahmen die waghalsigen Stuntmen ein. Oui, je faisais les Bond et aussi quelques autres films. Je tournais beaucoup à cette époque, donc de toute façon, je ne vivais même plus en Angleterre. J'étais tout le temps en voyage. Donc il n'y avait plus aucune raison que je reste domicilié en Grande-Bretagne. Spectacle un peu plus classique dans les rues de Gstaad, dramatique bien sûr. Et puis aussi Roger Moore et sa femme sortant de l'hôtel. Roger Moore, toujours prêt, gentleman, souriant, ne refusant jamais une photo. Là, il est avec Christopher Walken, son partenaire dans les derniers James Bond. Vous avez gardé des contacts avec les autres acteurs qui ont joué James Bond, Sean Connery, Timothy Dalton? Oui, Sean, je le vois de temps en temps. Pareil avec Pierce Brosnan et Timothy Dalton. Et ils sont déjà venus vous rendre visite en Suisse?